Salut tout le monde, c'est Tilt. Donc voilà, je tenais à faire une petite vidéo là, une petite vidéo coup de gueule sur Disney Speedstorm. Voilà, je viens de finir premier une course, je suis en émeraude, je me prends moins 25 points. Voilà. Et là, ça doit faire une semaine que j'essaye de passer en diamant. Et j'ai que ce genre de délire. J'arrive deuxième, je me prends moins 30 points. J'arrive premier, je me prends moins 25 points. Alors il y a des fois j'arrive à gratter des points, j'arrive premier, je prends plus 10 points. Enfin, et si par malheur je tombe, la plupart du temps je tombe contre des bots et je tombe contre un seul joueur. Et donc en gros si j'arrive deuxième, je perds des points systématiquement quoi. Donc c'est voilà, il faut vraiment que Gameloft là fasse quelque chose d'urgence là sur le multiclassé parce que c'est une catastrophe. Moi j'adore ce jeu, mais là pour les mecs qui veulent tryhard, qui veulent se faire plaisir, qui veulent monter de ligue là, enfin vous arrivez au mode émeraude, c'est l'enfer. Alors je sais qu'il y en a certains qui ont réussi à franchir le cap à monter diamant, mais genre ils vont rester, les mecs obligés, ils vont rester bloqués diamant. Ça sert à quoi de faire ligue champion 1, champion 2, champion 3? Enfin, voilà, ça sert strictement à rien. Enfin, je veux dire, tant qu'à faire, alors on s'arrête au diamant. Comme ça, si c'est une misère de passer diamant, mais au moins. Enfin, voilà quoi, c'était vraiment. Là, il y a vraiment un très très gros problème. À la limite, on tombe sur des bots. Il n'y a qu'un seul joueur en face de nous, on arrive deuxième, à la limite on prend que 10 points, je veux bien. Mais pas perdre des points. Et arriver premier, encore moins perdre de points premier, quoi. C'est scandaleux là. Je veux dire, on paye le jeu en accès anticipé et au final, voilà. Les joueurs qui tryhardent un peu le jeu, qui montent de ligue, ils se font ennuyer, on dira, pour pas dire autre chose. Enfin voilà. En gros, c'est punir les joueurs qui kiffent le jeu, qui jouent, qui tryhardent, c'est les punir, voilà, en quelque sorte. Et autre gros problème aussi, il n'y a pas une après-midi où je joue, où j'ai pas le jeu qui crache, voilà. En pleine course, le jeu, ça va m'arriver 2, 3 fois par après-midi. Voilà. Je joue environ 4 heures par après-midi, et à chaque fois, je vais cracher 2, 3 fois, voilà. Une fois par heure, je vais cracher en pleine course, voilà. Sinon, à part ça, je tryharderais pas autant si le jeu n'était pas top. J'adore le jeu, je prends vraiment énormément de plaisir à monter les persos que je kiffe, à monter de ligue. Je prends énormément de plaisir aussi voilà, à collectionner les persos, à faire les missions quotidiennes, à faire les tournées de saison. Je fais tout, voilà. Et après, quand j'ai tout fini, à chaque fois, je pars en multiclassé. Et en multiclassé en ce moment, voilà, c'est l'enfer. J'essaie juste de placer diamant. Et une fois que je franchis le cap diamant, si j'y arrive un jour, parce que tant qu'il ne règle pas le problème, à mon avis, ça va être compliqué. Avec Bob, par exemple, j'arrête le diamant, quoi. Je passerai à un autre perso, à la limite, mais pour essayer de monter émeraude, je suis à peu près tous les persos que je peux monter émeraude, mais. Enfin, voilà, quoi. Donc, si vous avez, vous, les mêmes problèmes que moi, si vous en avez marre de vous faire punir entre guillemets quand vous tombez sur des bots, voilà, parce que les bots c'est les petits logos là, avec le logo noir avec la petite tête blanche dedans, c'est des bots. Voilà, je vais juste faire une petite partie multiclassée là. Alors déjà que c'est compliqué en plus quand on tombe contre quand on arrive à trouver d'autres joueurs qui sont à peu près dans la même ligue que nous. C'est compliqué parce que les mecs ils sont balèzes. Ah, tout le monde est balèze, donc arriver à faire une première place. Bah, regardez, là j'ai que des bots. J'ai que des bots. Et si je suis pas premier, je vais être puni. Et même si je suis premier. Perdre des points. Alors on va tester ça. On va tester ça. On va essayer d'être premier pour que je vous puisse vous montrer ça en direct. En tout cas, vous, si vous avez. Moi, personnellement, je vais envoyer même si je pense qu'ils sont déjà au courant, je vais envoyer un mail à Gameloft. Faites de même, hein, franchement, si vous avez les mêmes soucis que moi, faites de même. Hein. Les gars, on se paye le jeu en accès anticipé, on se tape.
on se tape des crashs. On se tape des problèmes de... Ça, je fais n'importe quoi. Des problèmes de matchmaking, des problèmes de points quoi, c'est pas normal. Hein. C'est pas normal d'arriver premier. Même s'il y a que des bots en face, à la limite moi je préfère ne pas jouer et de jouer contre des bots et perdre des points en arrivant premier. Je pense que c'est pour tout le monde pareil quoi. Hop. Franchement, ce jeu, il a tout pour plaire, quoi. Réveillez-vous. Ah, franchement, n'hésitez pas à partager la vidéo et à envoyer des mails aux développeurs. Là, il faut que ça bouge, quoi. C'est pourrir l'expérience de jeu. Ah, bah là, il y avait un mec avec moi, du coup. Bah, je vais faire quoi? Je vais prendre 10 points. Voilà. Par contre, je serais arrivé deuxième, je vais perdre moins 30. J'arrive troisième, le troisième là qui était avec moi, là, le mec il a dû perdre 50 ou 70 points quoi. Donc là, je peux vous dire qu'il a bien les boules. Voilà, c'était la petite vidéo coup de gueule. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires, me dire si vous avez les mêmes soucis, si vous avez remarqué des bugs, si vous crachez vous aussi quand vous jouez. En pleine course, moi je perso je suis sur PS5, voilà, j'ai des problèmes de crash, de console qui crash et ça m'en renvoie au menu principal. Donc voilà, super quoi. Sinon ben, tout le reste c'est top. Voilà. Et n'hésitez pas à vous abonner, je continuerai à faire des vidéos sur le jeu. Parce que malgré tout je l'apprécie et puis j'espère que ça va changer quoi, j'espère qu'ils vont se réveiller. Allez, ciao tout le monde.